aujourd'hui, je reçois avec plaisir mon fils qui arrive tout droit de Dubaï. Et oui, ça ne va pas vous étonner, il est chef dans un grand restaurant à Dubaï. Ça va mon yo-yo? Ça va très bien. Oui, ouais. Alors tu vas nous montrer quoi aujourd'hui? Une recette de Saint-Jacques, oui, au beurre blanc, très facile, très rapide. Et c'est une recette que tu fais là-bas, au restaurant? Que je fais à Dubaï, au restaurant à la Monde. Ah, super! Alors c'est quoi la particularité de cette recette? C'est qu'elle va très vite et qu'il n'y a presque pas de possibilité de se rater. Ah, bah ça c'est une bonne chose, moi. Donc, à vos poils et suivez bien la recette parce que je pense qu'elle va être super. Alors, pour ça, tu as besoin donc d'une poêle. D'une poêle, oui. De vin blanc, oui. Saint-Jacques, bien sûr. Des échalotes, de la crème et du beurre. D'accord, allons-y. Allons-y. Vas-y. Alors, on commence par mettre... Donc là, tu ne fais pas chauffer du tout non, la poêle. On démarre à froid. Elle est à froid. On met tous les ingrédients ensemble. D'accord. Le vin blanc. Donc, tu mets le vin blanc. On va mettre ensuite les Saint-Jacques. Là, t'en fais... C'est une entrée que tu fais? C'est une entrée, c'est pour deux personnes et on compte trois Saint-Jacques par personne. D'accord. Après, si on veut le faire en plat, on en met deux de plus. Ok. On met une poignée d'échalotes. Mm-hmm. Haché. D'accord. Une pincée de sel. Une noisette de beurre. Enfin, une noisette, t'appelles quoi une noisette? Parce que moi, tu sais, une noisette... 30 grammes. Ouais, d'accord. Sel et poivre. Juste le sel pour commencer. Juste un peu de sel, donc je te mets un peu de sel. Hop, voilà. Et après, on va démarrer tout ça en même temps. Sur le feu. Ouais. Et là, on met à fond. D'accord. Ça, on peut pas se tromper. Au max. Au max. D'accord, jusqu'à ce que ça boue. Jusqu'à ce que ça boue et après on va les retourner. D'accord. Pendant ce temps-là, j'ai vu que tu as fait une fondue de poireaux. J'ai fait une fondue de poireaux qu'on mettra en dessous pour le dressage, donc simple. D'accord, mais ils sont découpés quand même d'une façon... Elles sont découpées en long, c'est en julienne. Ouais. Et après qui sont cuits au beurre, une goutte d'huile. Ouais. Et on met le couvercle pour que ça cuise rapidement. Alors... Un morceau de poireau, le blanc, que j'ai coupé en deux, que d'accord, le blanc. Mm-hmm. On va recouper en deux. D'accord. Et là, on va les feuiller. Donc là, on les feuille. Et après, on va faire des juliennes. Il faut un bon couteau, là. Il faut y aller tout doucement pour pas... Couper les doigts. Pour pas se couper les doigts. Ouais. Et, après, et ça, c'est sympa parce que ça cuit vite, en plus. Ça cuit très vite. Plus c'est coupé fin, plus ça coupe exactement vite. D'accord. Top. Et ça, tu vas t'en servir aussi pour autre chose, je pense. Je vais m'en servir pour une décoration sur l'assiette. On va faire la même chose, une julienne, mais frites. Frites, ça, c'est une bonne idée. En plus, ça apporte un petit croquant à la recette, je suis sûre. C'est ça, exactement. Ouais. C'est simple, on a la même, le même poireau qu'on va utiliser deux fois. Là, on remue légèrement pour que le beurre fonde et soit dans toute la poêle. Oui. Tu veux une pince? Tiens. C'est bon? Donc là, dès que ça boue, comme ça... On va laisser réduire de moitié le vin blanc et le beurre. D'accord. Là, les Saint-Jacques vont cuire que d'un côté pour l'instant. Mm-hmm. Pour qu'elles cuisent bien. Et là, on va les retourner. D'accord. Hop là. Et là, il va me falloir un peu de crème. D'accord, ça va. Un peu de crème. Hop. La chèque. Là, on les a retournés. On met la crème. Ouais. Mmh, et donc, ça n'a pas l'air mal. Et là, de nouveau, on va laisser réduire de moitié. D'accord. Tu sais, moi, j'ai toujours envie de mettre plein d'herbes. Tu ne mets jamais d'herbes. Non, pas sur cette recette. Après, si on peut très bien en rajouter, il n'y a pas de problème. D'accord. Aneth, ciboulette. Ciboulette, je pense que c'est très bien. D'accord. Donc là, on est bon. On va réduire un peu le feu pour faire les poireaux. Mmh. Tiens, je te donne les petits poireaux. On prend les poireaux. Il va falloir un peu de farine. D'accord. Un tout petit peu de farine. Voilà. Là, on remue pour bien paner les poireaux. Ouais. Et après, on les prend. Attends, tu regardes pas si tu non vérifies pas? Normalement, l'huile, elle est bonne. Ah oui. Bien. On met les poireaux. Faut pas que ça soit trop fort, sinon ils vont brûler. Ouais. Ça marche aussi avec le persil, toutes les herbes, on peut les frire sur le même système. Mais il faut pas que ça soit mouillé, je crois. Faut pas que ça soit mouillé, exactement. Faut que ça soit bien sec. Allez, je vais voir un peu comment ça se casse. Le mieux, c'est de servir dans une assiette creuse parce qu'il va y avoir le beurre blanc. Ouais.
on se prend une cuillère de fond du poireau. Je m'en lèche les babines d'avance. On va appeler Jackie parce qu'il faut qu'il voit ça quand même. Viens voir. Oh non, t'es-tu. Regarde ce qu'il fait de ton fils. Là, on a brouillé un petit peu. C'est pas grave. On se prend le beurre blanc qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, tu vois, je vais mettre un petit tour de moulin à poivre. Parce qu'il est doré, alors j'adore. Puis d'un autre travail. Hop là, il faut. Très bien, mon amour. Tout de suite salé à la sortie. Ouais. Et après, top! On se les met par-dessus. Oh là 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 là! Et ça va apporter le craquant. Magnifique! Super! Et voilà! Vous avez vu? Un plat simple, efficace. Vous pouvez retrouver ça à Dubaï, au restaurant La Môme. Voilà, c'est. Deuxième rue à droite. Deuxième rue à droite. Je vois ton premier. Ah bon, d'accord. Ouais, le gourmand quand même. Hein. Oh, c'est bon. Top. Vous allez voir comment vous allez épater vos invités. C'est dingue. Et rapidement. Et rapidement. Merci mon yo. Mais de rien. Magnifique yo. Et n'oubliez pas, si je peux, vous pouvez.